Bonjour à tous les amis, c'est Mister Beeper et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de ma série sur FIFA 14 avec l'Olympique Lyonnais. Et oui les amis, donc la dernière fois on a fait vraiment un bon parcours avec 3 victoires. On est désormais premier avec 21 points. Juste derrière nous, il y a l'Olympique de Marseille et juste derrière encore il y a le LOSC et il y a le Paris Saint-Germain. Et oui les amis. Donc dans cet épisode, on va faire un premier match face à Bordeaux, un deuxième match face à Montpellier, et pour terminer, on va faire un match face à l'AS Monaco. Ils sont actuellement 7e, ils ont moyen de remonter, donc il faut faire vraiment attention à cette équipe qui a vraiment un potentiel énorme en attaque. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, les amis. Aussi, avant tout, je tenais à dire, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Parce que elles viennent juste de commencer et c'est juste génialissime. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi j'adore les vacances. Je voudrais juste vivre pour les vacances. Non, je rigole. Bon, alors, rapport mensuel. Attends, blessure entraînement. Non, non, ah non, attendez, j'ai pas vu. Miguel Lopez. Oh, bon, non, ah, 9 jours, ça va encore. Alors, veuillez trouver si je vois mon rapport mensuel. 86. Oh là 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 là. Je sens que je vais l'utiliser lui. Bon allez, on va faire signer lui, continuer la mission. Recruter. Paf. Et les deux autres, on va les laisser. Ah bah c'est cool ça, 86 de potentiel. Bon allez, on va supprimer ça. Paf. Et voilà, on va faire ce premier match face aux Girondins de Bordeaux. Délégué à l'entraîneur adjoint, j'aime bien comme ça. Hop, domicile, en alternatif, gestion d'équipe, voilà. Alors, au niveau du dispositif, on va pas changer. Si vous avez des idées de dispositifs qui sont géniales, surtout dites-le moi. Si c'est possible de le faire pour mon équipe de l'Olympique Lyonnais, surtout dites-le moi. Voilà. Alors, Umtiti, pourquoi pas te mettre? Ah bah non, on va pas te mettre, t'es pas très en forme. Mais pourquoi ils ont pas une énergie phénoménale? Engie m'a fait très bonne impression la dernière fois, mais je veux pas le mettre. Vous y attendez pas. Gaël Danique, maintenant ils sont pas en forme. Oh là 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 là, ça va pas du tout ça. Balouli, j'ai toujours pas utilisé. Non, je pense qu'il va pas me convenir. Ouais. Zéphane. En défenseur droit. À la place de Dabo. La vitesse, est-ce que ça change vraiment? Bon, on va mettre Dabo quand même. On n'exagère pas. Bon, écoutez, je pense qu'on va partir sur cette équipe. Malgré qu'il y ait la casette qui soit pas son énergie énormissime. Comment on fait ce truc? Inge, est-ce qu'il peut jouer en attaque? Il peut jouer en buteur. Bon, vas-y, on va essayer et on fera rentrer la casette à un moment donné. Ou on fait le contraire. Non, on va mettre la casette et NG va rentrer. Voilà. Allez, on se retrouve pour le match. A tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le premier match de cet épisode 5. Ça fait vraiment plaisir. Surtout face à une équipe assez forte, hein, les Girondins de Bordeaux. Même si en vrai, c'est pas le meilleur début de saison qu'ils puissent faire. Mais bon, c'est comme ça. Dans le jeu, on va essayer de remporter le match. Et c'est ce qui compte le plus pour moi. Et pour vous, j'espère, si vous me soutenez. Parce que si vous me soutenez pas, ça sert complètement à rien. Voilà. Alors, on est actuellement premier, ça fait plaisir. Bon c'est parti les amis, on va essayer de marquer 45 buts avec la casette. Ça fait assez longtemps que j'ai pas remis les pieds sur FIFA 14 en mode carrière. Mais bon, on va tenter, hein. Oh, on va se prendre un but. Oh là 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 là, on a failli se prendre un but les amis. Non, j'y crois pas. Ouh là là, on commence mal, hein. Regardez ça! Et Diabaté qui fait n'importe quoi. On a vraiment eu du pot. Du bol. C'est quoi cette expression? Allez, Jimmy Briand! Jimmy Briand! Jimmy Briand qui est tout seul!
Non, c'est pas possible. Allez, Fofana. Oh, juste à côté. Allez, la casette qui est passée. Non, mais c'est pas vrai. J'y crois pas. C'est quoi ça? Ah, et voilà, les amis, c'est la mi-temps. Je fais un mauvais match pour le moment. Faut que je me remette dans le bain parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas joué à FIFA. Et bah, ça va pas du tout, hein. J'ai eu un peu d'occasion, un petit peu d'occasion, mais j'en ai pas eu assez pour marquer 5 tirs, un cadré, 48% de possession. Voilà. Allez, on va continuer, on ne désespère pas. Allez, allez. Non, c'est pas possible ça, de louper ça. C'est pas vrai, ça me saoule, va. Et voilà, non mais voilà, c'est fini. 0-0, très bien joué. Pff, ça me saoule. Je reviens pas. Comment j'ai fait pour perdre ça? Comment j'ai fait? Bon, au niveau des détails du match, 49% de possession. 6 tirs, 2 cadrés, ridicule. J'ai rien fait de la deuxième mi-temps. Au niveau des notes des joueurs, bon, Koné, élu homme du match. Je sais même pas pourquoi. Il est monté tout le temps. Voilà. Grogny a fait un bon match. Fofana aussi, brillant aussi. Voilà. Bon, écoutez, on va passer au deuxième match. Vous inquiétez pas, je vais remonter ça. Allez, à tout de suite, les amis. Allez, on se retrouve, les amis. Donc, on est désormais deuxième. Et oui, l'Olympique de Marseille est passé devant nous. Ça fait pas du tout plaisir à voir ça. Mais bon, c'est comme ça. Et Paris est revenu à notre hauteur. Donc, ça vaut pas du tout. Et le LOSC a moyen de revenir vu qu'on a un match d'avance sur eux. Bon, alors, conférence de presse. On va peut-être y aller. Allez, l'OL, on va faire motivation. Et le premier rapport est arrivé. Ah, ça fait plaisir, les amis. Ok. Mario Lemina. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne. Keita, ouais. Ok, au niveau de l'accélération, c'est pas mal. Même pas du tout, même super bien. Sympa, sympa. Camara, ouais, Baybeck. Ça peut être sympa, faut voir. Si vous avez des idées, les amis, surtout dites-le moi, je suis preneur. Ah, c'est sympa. C'est sympa, sympa. Bon, bah écoutez, les amis, on va passer au match face à Montpellier. Extérieur, domicile, ça marche. Bon, au niveau de l'effectif, on va pouvoir remettre normalement notre ami Gomis. Tac. Gonalon aussi. Umtiti aussi. Ah, oh bah non, attendez. Koné, il a fait un bon match. Oh non, on va le repos. Non, si, on va mettre Koné. Avec Bizevac. Gourcuff, on va te faire jouer à la place de Grenier. Je change d'équipe à chaque fois, mais bon, j'ai l'impression que je suis obligé. Vu qu'ils sont pas en pleine forme, j'aime bien quand ils sont en pleine forme, les joueurs. Ça fait plus plaisir. Bon, on va mettre Danique, hein. Et Malbranque, on va te mettre sur le banc à la place de Fofana. Je pense que c'est bon pour l'équipe. Ouais, normalement, elle est plutôt bien. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Ouais, on va partir là-dessus. C'est parti, les amis. Ah non, je voulais faire peut-être un tout petit changement. Rôle des joueurs. Koné, hop, Gonalon. Voilà. Allez, on se retrouve pour le match. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, pour le deuxième match. J'espère que je vais faire un bon boulot sur ce match, et je vais rattraper le match nul que je viens de faire.
Mais bon, le Montpellier c'est aussi une bonne équipe, donc faut faire attention. Ouais, dans cet épisode on a vraiment de bons adversaires. Mais il y a moyen de battre cette équipe, il y a moyen. En plus j'aime bien le paysage là, le coucher du soleil, c'est plutôt sympa. Donc voilà, allez, c'est parti les amis. En plus, Gomis, il est là et je fais n'importe quoi, je bouge, je fais une passe. Allez, sur le côté, avec Galdanik. Avec Galdanik, tu vas centrer. Et Gomis, il va marquer. Oh là là, c'est pas vrai. Juste à côté. Oh non, mais... Non, mais je reviens pas. C'est quoi ce but? Non, mais c'est quoi ce but de Montagnolo là? Alors qu'ils ont eu aucune occasion. Et Vercoute qui fait n'importe quoi, je crois que c'est lui. Hein. Ah non, 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 là, je suis vraiment déçu. Hein. N'importe quoi. N'importe quoi. Et voilà, c'est la mi-temps, les amis. Ça m'énerve. On perd 1-0. Sur un but n'importe Navac, là. Je suis pas content. Encore 5 tirs, 3 cadrés, mais 48% de possession, mais toujours rien. Toujours rien. Il faut que j'arrive à marquer tout de suite, sinon. L'équipe va pas être très contente et après ça va pas être très bon pour moi. Allez, Jimmy Briand. Non, mais c'est quoi ce son de bidon? Allez, Gomis. Gomis! Yes! Quel but de Gomis de la tête! Oh, j'étais obligé de faire Gomis super longtemps parce que dans le dernier épisode j'avais fait exactement pareil. Ça fait plaisir. Allez! Allez! Non! C'est quoi ça? Oh non, je vais pleurer, hein. Non mais je reviens pas là. J'étais tout seul. Quel manque d'efficacité offensive. Je suis nul. Allez la casette. Non. C'est quoi ça? Gardien de ouf, ouais, j'ai jamais vu ça de ma life. Non, mais y a faute là. Putain, j'y crois pas. Et voilà, on va se prendre un but. Et voilà, non mais ça m'énerve. Comment ça se fait? Le gardien, non mais le gardien adverse, sérieusement, j'ai pas compris. Hein. Sur les deux dernières occasions, il m'a saoulé. Bon, sinon c'est pas exceptionnel encore. Faut que j'arrive à m'améliorer. 1-1. On va pas arriver à rester à première place. Hein. C'est pas possible ça. Donc sinon au niveau des notes des joueurs, Gaïdanic élu homme du match. Ah bon? Ah bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. 6,7 pour Jourdan, bah dis donc. Bon, 7,6 pour Gourcuff, 7,7 pour Gomis. C'est pas mal, bien joué pour mes deux boss de l'équipe. Ça fait quand même plaisir. Bon, allez les amis, on se retrouve pour le troisième match. Je suis quand même déçu un peu. Hein. À tout de suite. Allez les amis, on se retrouve donc. J'ai cliqué sur A, malheureusement, donc ça a avancé. Et je viens de recevoir 7 messages. Ah ouais, 7 messages. Bon, attendez, on va quand même regarder ça. Le premier rapport est arrivé. Ah, ça, on l'a déjà vu. On peut supprimer. Bouze! On peut supprimer ça. Alors, joueur appelé en sélection. Ok, ça fait pas très plaisir. J'ai un autre rapport à te transmettre. Ok.
En Belgique. Qu'est-ce qu'il y a en Belgique? Est-ce que... Ah, il y a Jordan Lukaku. Mais c'est un défenseur gauche, ça doit pas être le même. Ok, Julien Desart. Même, on n'a pas tout. Ouais, et en plus, le recruteur, il a que 2 de jugement, donc c'est pas énorme. Jean-Louis Duliveau, lui, j'ai déjà reçu. Au Brésil, j'ai déjà reçu. Attendez, Draxler, je crois que j'ai vu. Ah non, Dunkler. Ouais, en gros, je reçois les messages 47 fois et ça lui fait rien. Bon, on va continuer. Arrêtez simulation, on vient d'en recevoir 5. Qu'est-ce qu'il a? Ah, des nouveaux joueurs. Bon, écoutez, je verrai ça plus tard. Hein. Je pense que je vais plutôt superviser les petites pépites une par une. Rapport préliminaire. Ah ouais, ok, je vois. Ok, ouais, donc il y a moyen de s'y fier quand même. Non. Néal Mopé de Nice. Je crois qu'il était à Lyon avant, si je dis pas de bêtises. On va regarder ça de plus près. Antoine Conte. Non, bon, on va rester pour ce, pour ah, on va rester là-dessus. Loué, voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner, en espérant que ça va aller. On va jouer le match face à Monaco. Monaco, les amis. Face à Monaco, une équipe vraiment chaude, 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 bouillante. Bon, au niveau de l'énergie, tout le monde va bien, c'est le principal. J'ai le moyen de choisir. On va remettre Gomis. Lacazette sur le côté droit. Guezal. Attendez, je suis en train de réfléchir, excusez-moi. J'ai oublié que j'étais en vidéo. Bah écoutez, je sais pas si je mets Guezal ou un autre. Mais l'autre, je sais plus. Ah, Gaëtanic, voilà. Oh non, non, non. Je pense qu'on va mettre. On va mettre Guezal. Non, on va laisser Gaëtanic. Ah, je sais pas. Bon, on va mettre Miguel Lopez en défenseur droit. Koné, Bisevac. On va mettre une Titi. Gonalon, toujours le boss. Fofana, par contre, non. On va mettre plutôt Malbranque. Pour le dernier match de cet épisode. Hein. Faut quand même voir Malbranque. Grenier, ouais, on va te laisser. Et Vercoutre, on va pas te mettre. Bon, on va partir sur une équipe comme celle-là. Et voilà. Allez, à tout de suite les amis pour ce match de sensation. À tout de suite. Et voilà les amis, le troisième match de cet épisode face à Monaco. J'espère que je vais le remporter à l'Union Park Stadium. Je sais pas si c'est le vrai stade, je ne sais pas, je peux pas trop vous dire. Mais en tout cas, j'ai envie de gagner au moins un match dans cet épisode. Je sais pas trop ce que vous en pensez, ça serait quand même formidable. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. On est toujours deuxième, mais voilà. Voilà. Donc au niveau d'équipe Falcao, Raúl Montenegro, Carrasco, Rodriguez, Toulal, Kantong, bien Kozawa, Apital. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, que de bons joueurs. Mais nous aussi on a une très bonne équipe avec Gomis, Grenier, voilà, Lacazette. Bon, certes, c'est moins impressionnant. Allez, allez, Lacazette. Lacazette! Non! Mais non, mais je vais jamais pouvoir marquer. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Eh, ça commence à me saouler. Non, mais je reviens pas!
Mais c'est pas possible de se prendre un but comme ça! Bon, je sais que c'est Falcao, mais. Première occasion, un but! Oh là 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 là! Je vais péter un câble, hein. Je vais péter un câble! Je vais rien faire dans cet épisode! Je suis dégoûté, hein. Ah, ça m'énerve! Ça me saoule, ah. Non, mais je suis trop dégoûté. Ah, ça me saoule! Mais comment ça se fait? Et voilà, c'est la mi-temps. Ça m'énerve. Bah oui, non, mais. La Cazette qui loupe ça, non, mais je reviens pas. Et voilà, 55% de possession pourtant, et je vois pas du tout dans le match. Et 3 tirs, un cadré, mais ouais, voilà, c'est comme ça. C'est pas vrai! Non, mais j'y crois pas! Non, mais la chance qu'ils ont eue! La chance! C'est pas possible d'avoir une chance aussi énorme! Elle est Gomis! Oui! Le but de Gomis! Ah, ça fait plaisir! Ah, je suis énervé! Ah non, mais attendez, j'arrive pas du tout à marquer là! Et là, évidemment, ben. J'arrive à marquer. Puis j'arrive même pas à parler là, je comprends pas. 1-1, ça fait plaisir! Maintenant, il ne reste plus qu'un but. Oh! Allez, Gomis! Oh, t'avais presque récupéré. Il ne reste plus qu'un but et ça serait juste génialissime. Cazette! J'en reviens pas. Je n'en reviens pas! Allez, vas-y. Encore un match nul. C'est pas possible, les amis. Non, mais c'est quoi cet épisode? Que des matchs nuls. Je suis désolé, j'ai pas pu vous proposer un meilleur contenu, mais les équipes étaient vraiment trop fortes. Et moi, bah, normal, hein, j'ai l'impression. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, bon, 8 tirs, 3 cadrés, 50% de possession. L'équipe adverse, Monaco, a eu 2 tirs, 0 de cadré. Mais ils ont quand même réussi à marquer. Faudra m'expliquer, hein, puisque je ne comprends pas. Bon, c'est comme ça. Bon, au niveau des notes des joueurs, Bafétimbi Gomis, élu homme du match avec 7,2. C'était pas un match exceptionnel, ça je peux vous le dire. Gaïdani qui a fait un bon match également. Gaïdani qui me surprend, il est pas très rapide. Mais il fait le boulot, il fait un bon boulot. Puis bah c'est tout. Je n'ai que ça à dire. Koné fait un bon match encore. Le boss, au niveau de la défense, ça fait plaisir. Gonalon aussi a fait un bon match. Voilà. Donc on va se retrouver pour la fin. À tout de suite les amis. Et voilà les amis. Donc 3 matchs nuls. Ça fait vraiment plaisir. Non, je rigole. Mais bon, les équipes adverses étaient vraiment fortes. Donc faut pas trop se plaindre. On va regarder. Non. On va regarder plutôt. C'est quoi ça? Tableau. Ah, Ligue 1, voilà. Oh, on est toujours deuxième, les amis. Ah, seulement 3 points de la première place. Donc ça va encore. Ça va encore. Donc il y a moyen de se rattraper dans le prochain épisode. Donc bien entendu, vous allez voir ça si vous allez me suivre longtemps. Voilà. Donc le PSG est toujours ex aequo avec nous. Ils ont fait 3 matchs nuls également. Je ne sais quoi. Le LOSC a un point de nous. Donc ça fait plaisir. Je crois qu'ils ont perdu un point par rapport à nous. Par rapport à la dernière fois. Et Monaco qui remonte petit à petit, j'ai l'impression. Ils ont 21 points. Ils ont la possibilité de remonter dans le prochain épisode. On marque également que Bordeaux est 8e. Voilà, donc on a fait un match nul face à Bordeaux qui est 8e, face à Monaco qui est 6e. Et on a fait un match nul face à quelle équipe déjà? Montpellier qui est 12e. Donc voilà. Sinon, au niveau du bas du classement, Toulouse est 18e avec 7 points. Nantes avec 7 points également. Guingamp est 20e avec seulement 5 points. Ils sont mal partis, les pauvres Guingampais. Je crois qu'on dit comme ça. Bon, mais il n'y a que Monaco qui arrive pour le moment.
Donc voilà. Stade des joueurs, soyons fous. Meilleur buteur de la Ligue 1, c'est Gomis. Eh oui, Gomis qui est vraiment super bon. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais il fait un bon début de Ligue 1 et ça fait vraiment plaisir. Mais bon, faut qu'il fasse attention à Nelson Oliveira. En Coupe de la Ligue, on s'en fout. West Monaco. Bon, on va regarder quand même. Au niveau des passeurs décisifs, donc il y a Gaël Danick et Gourcuff et Lacazette derrière. Donc ça va, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Après, invincibilité. Vercoutre avec 4 fois invincible. Ça fait plaisir. Lopez avec 3 fois. Au niveau des cartons jaunes, on n'en a pas beaucoup eu. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Voilà, c'était Mr. Upper. Ciao les amis et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.